alaykum wa marhaban bikum. 안녕하십니까. Bonsoir. Son Excellence, Monsieur Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale. Son Excellence, Mohamed Ben Saïd, ministre de Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Son Excellence, Madame Leila Ben Ali, ministre de l'Énergie et Transition énergétique. Docteur Bahija Simou, directrice des Archives royales, membre des chambres des conseillers et des représentants, excellences, ambassadeurs et collègues, chers et chers compatriotes, distingués invités et mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je suis heureux de vous recevoir dans ma résidence pour commémorer le 4354e anniversaire de la fondation de la nation coréenne. En fait, la date effective est le 3 octobre, date que nous avons aimablement cédée à nos amis allemands cette année. On a coutume de dire que les deux principes fondateurs de notre nation étaient l'expansion de l'humanitarisme, Hongyiginggan, et la primauté de la raison, Jaesei-ilhwa. Il s'avère plus que jamais fondé. C'est pourquoi, en les replaçant dans le contexte des relations internationales, la Corée affirme sa solidarité avec la famille des nations. Le gouvernement coréen a clairement indiqué lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre que lorsque la liberté d'un citoyen ou d'une nation au sein de la communauté mondiale est en péril, c'est la communauté des nations qui doit s'unir solidairement pour défendre sa liberté. Aujourd'hui, nous voyons notre liberté et notre paix en danger. Les tentatives visant à modifier le statu quo par la force mettent en péril la vie d'innocents et l'ordre international. Dans ce contexte, le gouvernement coréen condamne fermement l'invasion armée de l'Ukraine par la Russie comme une violation des principes de la Charte des Nations Unies. La souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine doivent être respectées. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui de nombreux visages familiers et de nouveaux amis, ce que nous n'avions pu faire l'année dernière. Son Excellence, Monsieur Khaled Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, nous honore de sa présence. Je le remercie et le félicite, ainsi que les autorités sanitaires marocaines, d'avoir maîtrisé avec succès la pandémie qui nous afflige jusqu'à ce jour. Je remercie également nos commanditaires coopératifs de Samsung, LG, Hyundai et Kia Motors qui ont orné la résidence avec leur magnifique kiosque et produit pour cette célébration à présent réalisable. Chers amis et collègues, la fête nationale d'aujourd'hui est particulièrement significative alors que la Corée et le Maroc célèbre cette année le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Mon ambassade est la plus ancienne ambassade que nous ayons établie sur ce continent. Notre amitié n'a cessé de se fortifier au cours des 6 dernières décennies, innervant de nombreux domaines de coopération. Permettez-moi de vous présenter quelques-unes de nos réalisations notables et des moments cruciaux de notre histoire commune. En juin 1950, la Corée était au bord de l'extinction par les forces d'invasion communiste du Nord. Au cours des 3 années suivantes, nous avons pu défendre notre liberté et notre souveraineté, non pas par chance, mais grâce à notre sang-froid et à celui de nos amis qui sont venus à notre aide sous la forme de forces armées, d'armes, de nourriture, de médicaments et d'aide économique.
Parmi les soldats figurait un groupe de braves du Maroc. Lors de la réception de l'an dernier, j'ai eu le plaisir d'annoncer que nous avions retrouvé deux d'entre eux avec l'aide des institutions marocaines, dont la Fondation diplomatique, le Haut Commissariat aux anciens résistants et l'Armée de Libération, ainsi que l'ambassade de France, notamment l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ONACVG. Aujourd'hui, je suis heureux de vous informer que nous en avons découvert six autres grâce aux efforts inlassables et à l'aide particulière de M. Patrick Barré et de son équipe de l'ONACVG. Nous parvenons désormais à identifier tous les anciens combattants survivants et les membres de leur famille, pour d'abord les reconnaître, puis les remercier personnellement pour leur noble sacrifice. C'est avec l'aide précieuse de Dr. Bahija Simou, directrice des archives royales du Maroc, ici présente. En bref, retour dans le passé, le 6 novembre 1975, environ 350 000 Marocains non armés ont convergé vers la ville de Tarfaya, dans le sud du Maroc, et ont attendu un signal du roi Hassan II pour traverser la région de Sangia El Amra. Cette manifestation de masse stratégique est désormais connue sous le nom de Marche Verte. Ce que ignorait certainement, c'est que le gouvernement coréen ainsi que la société coréenne Daewoo ont aidé à équiper la marcheur en tentes, vêtements et chaussures. En reconnaissance du succès d'une telle entreprise, puis le président Park Chung-hee a écrit à feu Sa Majesté Hassan II le 12 mars 1976. Je me réjouis de constater la grande victoire que vous avez remportée dans la création du Nouveau Maroc par la récupération du territoire perdu dans le Sahara. Au plus fort de la pandémie en 2021, sous la direction avisée de Sa Majesté Mohamed VI, nos deux pays ont démontré un bon exemple de partenariat créatif et mutuellement bénéfique dans la lutte contre la crise de COVID-19. Plus de 100 000 kits de tests et masques produits en Corée ont atteint le Maroc via des vols spéciaux, grâce auxquels 216 ressortissants coréens bloqués au Maroc ont pu retourner en Corée en toute sécurité. Il existe toujours de nombreuses autres anecdotes de ce type sur la réflexion stratégique à la véritable amitié, douée ces six dernières décennies où les deux partenaires se sont soutenus lors du moment critique de notre histoire. Sachez donc que nous reconnaissons et remercions profondément de ceux qui se impliquaient dans notre histoire commune. Nous ne les oublions pas, ils vivent parmi nous et en nous tous qui sommes présents ce soir. Chers amis et collègues, on dit que le 21e siècle est le siècle de l'Afrique et de l'Asie. Bien sûr, ce siècle nous appartient à tous, mais cette expression, je pense, résume les fortes aspirations des peuples de ces deux continents à jouer un rôle plus important dans l'arène mondiale à la mesure de leur démographie et de leur progrès socio-économique. Or, l'appropriation de ce siècle n'est pas garantie en raison de la convergence de trois facteurs majeurs, facteurs qui exigeront un regard très différent sur la gestion et la définition du progrès humain. Premièrement, le niveau de gaz carbonique, à présent, ne manqueront pas d'affecter les conditions et la manière dont les êtres humains se sont organisés pendant plusieurs milliers d'années.
la partition de la flore et de la faune, la richesse nationale vont changer, perturbant ainsi l'ordre naturel et artificiel actuel. Deuxièmement, la technologie a tellement progressé que les êtres humains sont désormais capables de vivre bien au-delà de leurs moyens. Les humains sont en mesure d'atteindre tous les coins du globe à la recherche de gains économiques, de forages aux eaux profondes pour le pétrole ou la fracturation hydraulique, pour le gaz naturel, à l'exploitation minière dans l'Arctique et la pêche en haute mer. Troisièmement, nos institutions nationales et internationales ne sont plus en mesure de répondre aux besoins d'aujourd'hui comme elles le faisaient lors de leur création. Ceci est démontré par l'évolution des relations internationales, l'affaiblissement de la structure de gouvernance et difficultés économiques de plus en plus profondes qui semblent défier un cycle plus traditionnel. Bien sûr, de tels facteurs d'ampleur mondiale ne peuvent être traités par un ou deux pays, mais je pense que la Corée et le Maroc ont un rôle unique à jouer pour répondre aux attentes du monde sur nos continents respectifs. Dans ce contexte, je suis heureux d'annoncer que la Corée coopère avec le Maroc dans divers domaines de l'économie verte. Les deux pays sont maintenant au stade final de la signature d'un accord de coopération sur le changement climatique au titre de l'article 6 de l'accord Paris. Pas plus tard que la semaine dernière, la Fondation Corée-Afrique a organisé un forum sur le partenariat plus vert Corée-Afrique pour le paradigme énergétique futur. Nous co-organiserons prochainement au cours de cette année avec nos partenaires marocains des séminaires politiques sur la coopération nucléaire et la coopération climatique. Il ne s'agit pas seulement d'exercices de discussion, mais d'actions de suivi avec une coopération effective. J'espère que tous nos efforts conjoints prépareront mieux nos deux pays et continents à faire face au changement de paradigme mondial vers un avenir plus prospectif, prospère, durable et inclusif. Chers amis et collègues, mais encore de vous être joints à nous pour célébrer notre anniversaire de diamant. Il est temps de goûter à nos saveurs culturelles et culinaires. Enfin, permettez-moi de dire quelques mots en notre langue à mes compatriotes coréens. Plus de 300 Coréens vivent au Maroc, bien que peu nombreux. Ils ont été un catalyseur dans le développement de nos relations bilatérales. 오늘 60주년 국경일 행사에 참여해 주신 우리 동포 여러분을 환영합니다. 앞으로도 늘 여러분과 고락을 함께하는 대사관이 되기 위해 노력하겠습니다. 아울러 모로코 동포 여러분의 건강과 안녕을 진심으로 기원합니다. 슈크란, 감사합니다. Thank you, merci.